c'est le maire de la ville de Thiès, dans la commune de Thiès. C'est le président du conseil départemental. Chers parents d'élèves, chers partenaires sociaux, chers membres de la société civile, chers élèves, chers enseignants, monsieur le principal, chers professeurs de cette école, je suis tout simplement très heureux d'être ici aujourd'hui à Thiès. En effet, nous venons de commencer un programme d'envergure qui nous permettra de faire une caravane au niveau national. Et nous avons décidé de commencer par Thiès. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. C'est l'une des académies les plus, en tout cas, grandes en termes d'apprenants. Et également, nous avons eu à travailler aussi, quand il y a eu des semaines, l'éducation de base ici à Thiès, on était très satisfaits. Alors nous avons voulu donc officiellement venir ici à Thiès pour non seulement voir ce qui se passe en termes de préparation, mais également amener du matériel. Amener du matériel, nous avons, en tout cas avec nous, comme ce n'est pas seulement les élèves en classe d'examen qui nous intéressent, pour les autres élèves également, nous avons ramené les duplicopieurs. Les duplicopieurs pour tout le département de Thiès. Donc c'est des machines qui peuvent faire des photocopies vraiment en un temps extrêmement court de l'ensemble des cours de tous les élèves qui ne sont pas, qui sont dans les classes intermédiaires comme on dit. Et deuxièmement, nous avons ramené 1000 thermoflashs qui sont là avec nous. Nous avons ramené 200 000 masques également qui sont ici avec nous et également des systèmes de lavage et d'autres et d'autres et des produits de savon, etc. Voilà, nous avons effectivement, en dehors de ce que nous avons amené ici, nous avons également des partenaires qui continuent à appuyer. Mais nous avons trouvé aussi au niveau local des responsables qui ont déjà agi. Vous avez écouté le président du conseil départemental. Il a donné donc la liste de son appui, de l'appui du département. Nous le saluons. Monsieur le maire également. Les parents d'élèves se sont exprimés. Mais pour dire que, d'abord, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que j'ai vu à l'entrée. Désinfecter d'abord les écoles. Et ça, nous l'avons fait tout à l'heure à Rufisque. Et ici également, j'ai trouvé qu'il y a ce qu'il faut en termes de machines et en termes de carburant, les prévisions sont faites. Et aussi, je crois que ce que j'ai vu, en tout cas, je ne vois pas ici beaucoup de difficultés. On m'a fait visiter une classe qui, en temps réel, nous avons respecté, en tout cas, le nombre de tables et le nombre d'élèves. Pour dire aussi que tout ce que nous ferons, sera directement adossé à ce protocole sanitaire. J'ai remis le protocole sanitaire tout à l'heure à l'inspecteur d'académie. Je l'ai dit partout. Je suis venu avec le docteur Dia, qui est tous les jours présent au niveau de la commission nationale, qui donne les informations chaque matin que vous voyez. Donc on est représenté au plus haut niveau. Donc la priorité des priorités, c'est d'abord le respect de ces barrières. À l'entrée de l'établissement, ce qu'il faut faire, j'ai trouvé les deux postes, à l'intérieur de la classe, pour les élèves, pour les enseignants et pour le personnel encadré. C'est la première condition. Une fois que ceci est réglé, une fois que ce problème est réglé, on pense maintenant à la pédagogie. À l'instar de tous les pays du monde qui aujourd'hui font face, tout le monde fait face, le Sénégal également est en train de faire face. Je suis très heureux de voir que vraiment tout le monde est engagé. L'ensemble donc des entités, des responsables de Thiès sont là derrière. Mais ici à Thiès, la particularité, nous avons une école l'Inertia. Nous avons vu, j'ai constaté, donc ce qu'on appelle l'éducation inclusive, c'est une réalité. Tout à l'heure, j'ai remis et du matériel et j'ai remis également les cours en braille pour ces enfants, ce qu'ils pourront faire à la maison. Donc c'est dire que du point de vue pédagogique, on est prêt. Du point de vue du matériel, on est prêt. Nous voulons tout simplement lancer un appel ici à Thiès
un appel de Thiès aux parents d'élèves du Sénégal, aux enseignants du Sénégal, aux partenaires sociaux qui sont avec nous, à la société civile, aux guides religieux, à tous les responsables, à la jeunesse sénégalaise, les ASC qui nous accompagnent, à tout ce beau monde pour dire que la décision du président de la République d'assurer, de donner à tout jeune Sénégalais le droit à l'éducation et à la formation, nous sommes décidés en respectant les conditions à aller dans cette direction et nous allons le faire, Inch'Allah. Donc vraiment, à partir de Thiès, je voudrais rassurer les parents. Dans chaque établissement, il n'y aura que 20 élèves, il y aura le matériel et également nous, tout ce qui est décidé dans le protocole sanitaire que nous avons remis, nous allons le respecter. C'est la seule condition pour qu'on puisse démarrer les enseignements. J'ai dit haut et fort partout, s'il n'y a pas un comité de suivi, s'il manque un seul élément qui est dans le protocole, dans un établissement quelconque au niveau du Sénégal, que ce soit dans les villes, dans les villages et dans les hameaux, que l'IF ou l'inspecteur d'académie ou le directeur d'école qu'il ferme instantanément cette salle ou cette école parce que la santé n'a pas de prix. Ça, vraiment, je tiens à le dire haut et fort. Mais ce que je viens de voir ici à Thiès, ce que j'ai vu tout à l'heure également à Rufisque, je crois que l'adhésion, elle est là. Les gens sont décidés. Les responsables sont décidés. Et effectivement, on me rappelle que c'est 20 élèves par classe, oui, 20 élèves. D'ailleurs, j'ai même vu ailleurs, là où je viens tout à l'heure, dans une très grande école élémentaire de Rufisque, il n'y a que 110 élèves qui viennent. Ils ont décidé de ne mettre que 16 à 17 élèves en classe. Donc vous voyez qu'au lieu de se lancer directement, au lieu de faire comme certains pays de la sous-région qui ont décidé d'ouvrir totalement du préscolaire jusqu'en terminale, nous nous sommes y allés par étapes. Uniquement les classes d'examen d'abord, et ça nous permet donc de bien gérer, de mesurer et de voir dans les premières semaines comment, en tout cas, la maladie se comporte. Monsieur le ministre, il paraît que le tableau des enseignants est un peu sombre côté malade, enseignants malades. Est-ce que vous pensez à résorber ce gap d'ici à la rentrée, à la reprise? Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser. Mais j'ai été très explicite. Nous allons respecter en tout cas ce qui est dans le protocole. S'il y a un enseignant malade, il ne vient pas. S'il y a un élève malade, il ne vient pas. Et les maladies ont été listées. À l'instant où on parle, le ministère du Transport est en train de travailler sur quel est le plan de transport pour mettre à la disposition des villes les enseignants. C'est 19 000 enseignants qu'il faut déplacer à partir du 26. 4 794 quittent Dakar pour aller à l'intérieur du pays. 1760 quittent l'intérieur du pays pour aller à Dakar. Et c'est la même chose, Ziguinchor, Kaolack, Kolda, partout. Donc nos enseignants sont partout. On se mobilise à partir du 26 pour que ces enseignants puissent venir. Et comme on n'a que des classes d'examen, comme on a fait venir tout le monde, donc on n'a pas de difficulté en termes d'enseignants et de professeurs pour encadrer, pour enseigner uniquement 15% de l'effectif global. Donc c'est un plan qui a été mûrement réfléchi. Et nous croyons, en tant que pédagogue, en tant que spécialiste de l'éducation et de la formation, nous croyons que nous avons mis l'essentiel, nous avons mis ce qu'il faut en y allant par étapes, parce que la sécurité de nos enfants